Et bonjour à tous, c'est Frédéric Urlin d'Azure Performance. Et bien aujourd'hui, je vous accueille dans mon nouvel espace de travail pour cet été du moins. Il s'agit du centre Le Signal au sommet du col des Saisies, dans la station sportive des Saisies. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. Et moi, je vous attends pour tout l'été, à partir de ce samedi jusqu'à la fin du mois d'août, dans la salle de musculation, alors, qui est une salle qui n'est pas vraiment une salle de fitness, qui est vraiment une salle de préparation physique, très très bien équipée, comme vous pouvez le voir, avec un espace plutôt typé suspension training. Vous pouvez voir que derrière, il y a des bosus pour travailler en instabilité, idéal pour le trailer, des rameurs, des tapis de course, presse, halter, cage à squat, donc possibilité de faire de l'haltérophilie, et quelque chose qui nous intéresse plus particulièrement, nous les sportifs d'endurance, il s'agit de la salle hypoxique, une salle normobarique hypoxique, donc c'est-à-dire qu'on réduit la quantité d'oxygène dans la salle, tout en maintenant la même pression atmosphérique. Une salle qu'on peut faire monter jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Donc autant les sportifs de haut niveau qui veulent effectuer une acclimatation pour une compétition en altitude qu'une préparation avec des séances spécifiques en hypoxie pour développer la globulie, avoir des shoots de PO et donc améliorer son hématocrite, mais aussi les trekkers qui envisagent de faire une grosse randonnée, voire une ascension sur des altitudes assez importantes, supérieures à 4000 mètres, c'est le bon endroit, hein, cette pièce hypoxique, parce qu'on peut vraiment simuler et commencer à appréhender l'essoufflement et la fatigue inhérente à une hypoxie d'altitude. Donc vous voyez, on est quand même dans un environnement idéal pour travailler, avec une vue superbe sur les sentiers à pratiquer à pied ou en VTT. Vous avez bien sûr pas mal de cols dans le coin, hein. Bien sûr le fameux col des Saisies, mais vous pouvez descendre sur le col des Aravis et la Clusa, vous pouvez basculer de l'autre côté de la vallée vers Léger avec le col de Plaine-Joux, Joux-Plane et par exemple la montée du Semnoz, et retrouver des routes qui sont très souvent empruntées par les coureurs du Tour de France. Pour les nageurs, il faut savoir que le centre des Saisies est équipé d'une piscine. Mais pour ma part, avec Azure Performance, je vous conseille le bassin de 50 mètres de Megève qui est vraiment idéal. Donc vous vous retrouvez sur l'espace Diamant, donc, qui regroupe toutes les stations, les Saisies, Flumé, Prats-sur-Arly, donc où je suis basé actuellement, mais aussi donc Megève, vraiment tout un environnement de travail pour de l'entraînement de haut niveau. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez venir vous entraîner avec moi, si vous souhaitez des conseils et venir profiter de cet espace et vous entraîner de manière vraiment efficace et avec les dernières techniques en matière de préparation, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet azureperformance.fr. Bon entraînement à tous, ciao.